Salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer un nouveau GFX pack de Photoshop. N'importe lequel, CS6 ou CS5, c'est pas grave. Donc il n'est pas de moi, il est de, pour précisément, il est de Adrian HD, ouais, Adrian HD. C'est sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne. On ne se connaît pas, mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de GFX Pack sur YouTube, j'ai décidé de vous le présenter et puis bah surtout qu'il est assez complet, hein, je dois le dire. Donc on va commencer tout de suite. Hein. Je vous ai déjà fait une vidéo contenant un GFX Pack, mais que je l'ai mis en lien de téléchargement, mais qui n'était pas super super complet. Bah c'est lui, GFX Pack by Tuto for Torrent. Mais celui-ci est beaucoup plus complet. Donc vous avez les flammes comme l'autre, donc c'est à peu près les mêmes. Vous avez des impacts de balles, il y en a un tout petit peu plus. Vous avez une nouvelle catégorie qui est très très belle. Ce sont des images de l'espace, vous pourrez les découvrir hein, vous-même. C'est très conseillé. Vous avez plus de, comment on appelle ça, d'optical flare. Ce sont des sortes de rayons. Ensuite, vous avez les flammes. Donc là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus. Vous avez aussi les luz gapas. Alors, je sais ça, j'ai jamais su ce que c'était, mais ce sont comment on appelle ça, des petits motifs lumineux. Je vais vous en montrer un. Celui-là, tiens, il est assez beau. Voilà des petits motifs comme ça. Ça pourrait aider, ça pourrait faire beau. Ouais, c'est des petits effets comme ça. Ok, donc on va passer. Vous avez les petits. Un petit truc pas nouveau. Comment on appelle ça? Les fils lumineux. Donc les petits fils faisables par tout le monde, hein, je l'avouais. Vous avez également les splatters. Alors ce sont des. Je sais pas trop comment je pourrais qualifier ça, mais en gros, ce sont des images de peinture en train de tomber. Je vais appeler ça comme ça. C'est assez beau. Bon, j'utiliserai pas trop, mais bon. Et ici, vous avez enfin les textures, donc ce qui est le plus important. Donc, il y en a d'autres, il n'y en a pas plus que l'autre, mais il y en a d'autres. Il y en a des nouvelles, comme des anciennes. Donc, voilà. Donc, en gros, ce texture pack m'a pris en place, je ne sais plus trop combien de place. Enfin, bon, je vous mettrai le lien dans la description. Il est dans mes téléchargements. Voilà, donc le lien est ici. Je vous mettrai le lien dans la description et puis bah, vous pourrez l'avoir. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez un nouveau GFX pack à vous mettre sous la dent et faire de belles images Photoshop. Donc je vous dis, abonnez-vous, portez-vous bien. Aimez la vidéo si vous avez aimé, mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé ou si vous en avez d'autres à proposer. Et puis bah je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.